Ok, ben alors bonjour à toutes et à tous. Donc le temps tourne, donc je vais commencer cette présentation. Donc je suis là pour vous présenter le jardin que nous avons créé avec une association, enfin une entreprise pour personnes handicapées, depuis 2 ans maintenant. Donc je vais vous faire un petit peu le retour sur ces 2 années passées et les projets d'avenir qu'on a, et quelques points sur les itinéraires techniques qu'on utilise, la façon dont qu'on a de travailler. Donc on est situé en Alsace centrale, sur la commune de Mittelbergheim. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas trop, grosso modo, voilà. C'est situé, pardon, à côté de Bar, qui est la grande ville la plus proche, et à peu près à mi-chemin d'Obernai et Célestat. Donc on est dans un bassin où la population est assez... Il y a une forte densité de population, une population assez aisée. Donc ça nous permet d'avoir une bonne commercialisation potentielle, en tout cas en circuit court pour nos productions. Donc le projet de départ, comme dit, il était mené par plusieurs acteurs qui m'ont rencontré parce qu'ils cherchaient quelqu'un pour mettre en place ce projet. Donc c'est une entreprise La Main Verte et le Stierkopf Environnement. C'est donc ces deux entités-là qui sont des entités qui travaillent et qui sont là pour faire de l'insertion pour personnes handicapées. On a eu aussi le soutien du CFPPA d'Obernai, de Pôle emploi, de la région Grand Est et d'un viticulteur de la région qui nous a mis à disposition la majeure partie du foncier pour pouvoir réaliser ce projet. Donc, en plus du maraîchage, le projet à la base, c'était de réussir à former les gens et au maraîchage et à la viticulture pour pouvoir leur permettre d'offrir un spectre plus large en termes de débouchés pour trouver un emploi éventuellement après cette formation. Donc le principal objectif en 2019, donc quand le projet a commencé, c'était de partir d'une friche. C'est aussi ce qui change un petit peu des installations qu'on peut voir actuellement. C'est qu'on n'avait pas d'autres terrains disponibles que cette friche avec beaucoup, beaucoup. C'était une friche boisée, donc principalement recolonisée par la forêt. Avec pour principale espèce présente, c'était beaucoup beaucoup de prunelliers qui étaient repartis, des saules, des aubépines, du frêne, du hêtre, et beaucoup beaucoup de ronces. Donc on a eu 1,5 hectare qui ont été mis à disposition pour mener à bien ce projet, qu'il a fallu commencer à défricher pour pouvoir le rendre cultivable. Donc sur la première année, on y allait petit à petit. On a réussi à défricher environ 40 arbres pour rendre 1100 mètres carrés de culture, mais 1100 mètres carrés uniquement cultivés, hein, sans parler des passe-pieds, des chemins, etc. Donc cette petite surface, pour commencer, nous aura permis de mener à bien quand même cette formation pour permettre à ces personnes en situation de handicap d'apprendre le métier du maraîchage. Et ils ont obtenu à l'issue de cette année-là ce qu'on appelle un CQP, qui est donc un certificat de qualification professionnelle, pardon, qui leur permet du coup de travailler en maraîchage à l'heure actuelle. À ce moment-là du projet, on faisait un mi-temps, enfin la moitié du temps de cette équipe-là était dévolue au maraîchage, donc au défrichage, ensuite à la mise en culture et l'apprentissage de toutes les différentes pratiques et techniques, du semis à la plantation à la récolte. Et l'autre moitié de notre temps était consacrée à la viticulture pour les former aussi sur ces métiers-là. Donc, depuis le début du projet, c'est un projet de maraîchage sur sol vivant. Enfin, c'est ces pratiques-là qu'on a mis en place sur cette parcelle. Et la commercialisation que nous avions à ce moment-là, c'était principalement au travers d'un traiteur qui fait aussi partie du même groupe de La Main Verte, Stierkopf Environnement, qui ont donc plusieurs secteurs d'activité, dont un traiteur, mais aussi un espace vert dont on reparlera plus tard, qui a bien des avantages pour nous. Et quelques paniers aussi pour les employés de La Main Verte, plus des restaurateurs. Donc voilà les 8 personnes qui ont pu bénéficier du stage et qui ont donc eu un diplôme à l'issue. Donc voilà, c'était la petite plaquette de l'entreprise pour communiquer un petit peu à ce sujet. Donc voilà à quoi ressemblait et ne ressemble plus maintenant la parcelle. Donc comme vous pouvez le voir,
Il y a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de forêts. Il y avait beaucoup de forêts présentes. À l'époque, toutes les zones où on voit les planches de culture étaient également boisées. Donc c'est cette partie-là qu'on a commencé, dont on s'est occupé, qu'on a défriché la première année pour pouvoir la mettre en culture. Vous avez à gauche la surface totale, donc c'est à peu près 1,5 hectare qui nous est mis à disposition, avec encore un petit bout de parcelle de l'autre côté du chemin. Et donc en 2020, on a continué le défrichage pour augmenter les surfaces et rentrer dans un schéma avec un petit peu plus de surface cultivée pour pouvoir avoir une meilleure rentabilité. Donc la surface totale de défriché est clôturée maintenant, elle s'élève à 1 hectare, et sur cet hectare, on a à peu près 3 000 m² de culture. De culture d'une en butte et d'autre part en planche permanente. L'année 1, on était parti sur le principe de façonner des buttes de culture. Et l'année 2, beaucoup de contraintes liées à ces buttes nous ont fait un petit peu changer notre fusil d'épaule et on a préféré partir sur des travaux en planche permanente. On avait beaucoup moins de main-d'œuvre aussi, parce que les stages de formation qu'on aurait dû faire cette année ont été pour partie annulés à cause du Covid. Donc on a un petit peu remanié nos prévisions et nos façons de travailler. Donc à ce moment-là, on a investi dans un motoculteur avec une charrue rotative et c'est avec cet outil-là qu'on a façonné les planches permanentes et qu'on utilise maintenant pour entretenir les planches au fur et à mesure du temps et en fonction des besoins. On a aussi foré un puits parce que c'était un gros, gros, gros problème qu'on avait eu la première année. On n'avait pas suffisamment d'eau sur la parcelle, donc on a foré un puits. Ça a amélioré un petit peu la situation, mais il va falloir encore continuer à bosser dessus. On n'a pas suffisamment d'eau pour pouvoir travailler correctement toute l'année. Surtout qu'il ne pleut plus en ce moment, donc ça n'aide pas beaucoup. Notre commercialisation, c'était un petit peu toujours la même, sauf qu'on a accentué le côté vente de panier et qu'on a dû, par la force des choses, moins pu travailler avec les restaurateurs et les traiteurs. Même si on avait réussi à trouver un bon partenariat avec eux, on produisait un peu des légumes qu'ils ne trouvaient pas ailleurs, donc nous, ça nous permettait de bien valoriser cette production, et un bon prix en plus, parce qu'ils étaient prêts à payer le prix qu'on leur demandait, qu'on estimait juste, mais parce qu'ils en trouvaient vraiment un intérêt gustatif. Ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas forcément encore abordé ce matin, et que nous, on expérimente beaucoup au travers de ce jardin, c'est que, comme dit, travaillant avec des restaurateurs, ils trouvent vraiment une qualité gustative plus forte et plus présente sur des légumes qui sont produits en sol vivant avec ce type de technique par rapport à d'autres fournisseurs qu'ils ont, qui sont en bio, mais plus conventionnels. Et tous les retours, alors c'est pas scientifique bien entendu, mais tous les retours qu'on a sont vraiment très 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 bons en termes de qualité gustative de nos produits. Donc on joue là-dessus aussi. Donc, en 2020, la parcelle, là, j'avais pas de photo aérienne cette année, ça n'a pas pu se faire, il n'y a pas des drones qui passent tous les jours. Donc du coup, je vous ai matérialisé un petit peu à quoi ressemble la parcelle à l'heure actuelle. Donc tout ce qui est bleu a été clôturé et l'intérieur a été défriché. Pas de défriché en totalité, cela dit, parce que un des aspects aussi de ce projet, c'était de conserver au maximum l'aspect dune visuel du lieu, mais aussi conserver un maximum d'arbres pour bénéficier de tous les avantages que ça nous amène en termes de biodiversité, en termes d'ombrage également, et en termes de maintien d'eau dans le sol. Enfin, tout ça, c'est assez au feeling, c'est pas très scientifique ce que je vais vous dire, mais voilà, après 2 années à travailler ce sol et à travailler cette parcelle et à voir tous les bienfaits d'avoir des arbres à proximité, eh ben, on se rend compte que j'en aurais peut-être coupé un peu moins d'ailleurs si j'avais pris tous ces bienfaits en compte au départ du défrichage. Mais bon, toujours est-il que... Oui. Ah oui. Alors, c'est vrai que j'ai pas mis une petite rosace, mais grosso modo, le bas de l'image, c'est le sud. Donc le nord est au-dessus. Donc c'est pour ça qu'on avait défriché dans... Après, on n'avait pas non plus trop le choix. On a fait avec l'implantation des arbres, en essayant de faire en sorte de se ménager des espaces le plus intelligent possible en termes de la mise en place de planches, taille de planches, orientation des planches. Donc,
Dans mon esprit, à la base, je voulais bénéficier d'un ensoleillement maximal sur toutes ces planches qui sont sur le bas de l'écran. Et c'est vrai que maintenant, avec l'expérience, c'est un petit peu contre-productif. Notre but, c'est d'ailleurs, on va contacter aussi Evive d'Alsace prochainement, parce que notre but, ça va être de réimplanter sur toute cette partie basse une haie aussi, bon, qui mettra le temps qu'elle mettra à pousser, mais pour nous faire rebénéficier un petit peu d'ombrage sur la partie sud, parce qu'en plein été, ça crame vraiment très fort, à contrario de d'autres endroits où on a réussi à aménager un petit peu plus la bio, enfin, on a laissé plus d'arbres et on bénéficie plus d'ombrage, ben on a des résultats vachement plus sympas en été. Donc maintenant, ce qu'on se dit, c'est qu'on va privilégier les cultures primaires sur ces zones-là pour que justement bénéficier du réchauffement très tôt dans la saison, parce que c'est là où ça tape le plus. Et ensuite, imaginez de mettre les cultures qui vont être les plus sensibles après dans les autres zones, qu'on ne voit pas ici parce que je n'ai pas de vue aérienne, comme dit, mais qui vont bénéficier de plus d'ombrage. Ça, c'est vraiment très. Enfin, s'il y a quelque chose qu'on on s'est rendu compte, c'est que vraiment l'ombrage. Je pense que dans le futur, il va falloir bosser comme ça parce que les étés sont vraiment tellement chauds et le soleil est tellement brûlant que si on ne peut pas protéger la culture un petit peu à certains moments, bah ça devient compliqué. Du coup, voilà, le nord est en bas. Donc maintenant, on est en 2021 et on se propose, ma compagne et moi-même, de reprendre cette exploitation. Et dans ce but de pérenniser le projet, parce que la société ne peut pas le porter plus loin, enfin la société qui a créé ce jardin, la Main Verte. Donc nous, pour que tout ça ne reparte pas en friche et n'ait pas servi à rien, on se propose de reprendre cette parcelle pour en faire notre propre exploitation. Donc notre but, c'est de viabiliser ce projet dans un premier temps et de poursuivre aussi l'inclusion. Ben, envers différents publics. Hein. On a commencé à travailler, comme dit, avec des publics handicapés, mais il y avait aussi des personnes qui avaient des problèmes d'insertion sociale. Bref, on a ouvert un large spectre, si vous voulez, de formation et d'inclusion sur ce terrain. C'est un petit peu ce pourquoi il a été créé et ce vers quoi on veut continuer à tendre. Mais en faisant une exploitation maraîchère viable quand même, pas uniquement basée sur la formation. Donc, petit point installation, etc. Après, moult tergiversation avec nos futurs associés, la chambre d'agriculture, etc., on va créer ce qui s'appelle une société anonyme par action simplifiée, qui est un statut assez peu utilisé encore pour l'instant en agriculture, mais qui est possible, qui s'ajoute à SCEA, GAEC, ARL, etc. Donc voilà, ça c'était pour le petit point administratif. Et on va s'installer donc à deux, ma compagne et moi, où on sera double actif sur. Bah, au moins cette année, pardon, j'ai de la buée. On sera au moins double actif sur cette année et on va voir au fur et à mesure des prochaines années à quel rythme on peut réussir à dégager suffisamment de rentabilité avec ce jardin pour qu'on puisse à terme être deux à temps plein et en vivre complètement. Donc, ça, c'est les projets pour 2021. Ce qu'on a mis en place aussi pour augmenter notre rentabilité là cette année, ça va être des tunnels. Parce que pour l'instant, on était uniquement en plein champ, pour diverses raisons qui ont fait que le projet s'est monté de cette façon-là. Donc on va mettre en place des tunnels mobiles pour pouvoir justement jongler avec eux et ne pas être obligé d'avoir une surface définie et ferme et définitive occupée par un tunnel. Parce que comme je vous l'ai dit précédemment, notre ressource en eau, elle n'est pas suffisante. On travaille à faire en sorte de trouver un petit peu plus de flotte, mais pour l'instant, on en manque. Donc, on ne voulait pas mettre en place une zone où on serait obligé d'irriguer, d'irriguer, d'irriguer continuellement. Il faut qu'on puisse bénéficier de la pluie. D'où cette idée de tunnel mobile qui va nous permettre de les déplacer et de faire en sorte que le sol soit moins matraqué, c'est pas le bon mot, mais qui bénéficie des pluies, des saisons, etc., etc. Mise en place de beaucoup de goutte à goutte aussi cette année, chose qu'on n'utilisait pas mais qu'on va utiliser parce qu'après l'été dernier, on a vraiment eu beaucoup de pertes, enfin pas de pertes, mais des résultats bien amoindris à cause du manque d'eau. Donc toutes les cultures longues, tout ce qu'on va mettre en place dans les tunnels va être irrigué au goutte à goutte.
Et dans ce but-là, on a aménagé un bassin là, qui nous fait à peu près 80 mètres cubes, qu'il faut qu'on continue. Enfin, là, maintenant, il s'est rempli avec les pluies d'hiver. Maintenant, il faut qu'on voie comment est-ce qu'il se gère, est-ce qu'il se vide, est-ce qu'il ne se vide pas, est-ce qu'on peut compter dessus, ou est-ce que c'est juste un stock tampon. Donc voilà, ça, c'est nos projets pour 2021. On continuera à en vendre en panier. Les restaurateurs, si la conjoncture change, eh ben, ils attendent que ça, en fait, de réouvrir, de travailler et puis de travailler avec nous. Donc c'est cool. Et on a aussi les possibilités de faire un marché à Mittelbergheim. Donc avec ces trois sources de commerce, enfin avec ces trois commercialisations, on s'en sort. Donc voilà à quoi ressemble, parce que j'avais pas de vue aérienne, mais je vous ai mis un petit peu les nouvelles parties qui sont défrichées, donc qui complètent le jardin à l'heure actuelle. Donc vous voyez ici, c'est de la planche permanente, hein, enfin vous le voyez peut-être pas très bien, mais c'est plus des buts, parce que comme je vous disais, pour compléter ce que je disais avant, les buts avec le problème de sécheresse, de pas de précipitation, etc., etc., on arrive à un niveau de dessèchement dans les buts qui étaient quand même très conséquentes. On les avait fait à 50-60 cm de hauteur, avec un sol très argileux, pardon, mais je ne vous ai pas précisé qu'on avait un sol à dominante argileuse. Donc c'est très bien, ça garde l'humidité un temps, mais à partir du moment où ça sèche et il ne pleut plus, c'est un vrai calvaire à réussir à réhydrater, réhumidifier pour faire les cultures d'automne dedans. C'est la croix et la bannière pour réussir à planter des choses dedans. Donc ces buts-là sont faits, donc on va les laisser finir leur vie et se tasser gentiment. Mais à partir de maintenant, on part plutôt sur un travail en planche permanente, qui a moins cet effet d'assèchement. En tout cas, c'est ce qu'on constate, nous, sur le terrain. Donc au niveau matériel, on n'a pas grand-chose. On a un motoculteur avec, il y avait la fraise dessus, donc on l'a, et une charge rotative. Grosso modo, que des petits outils à main, des petits outils à manche, des brouettes pour épandre la matière organique. C'est beaucoup de travail manuel, et ça fait partie des choses qu'on va, pour pérenniser notre activité, en tout cas, qu'il faut qu'on réfléchisse et qu'on trouve comment mécaniser un tant soit peu cette chose-là. L'apport de matière organique à la main et à la brouette, ça va bien pendant 2 ans, mais au bout de 2 ans, on sent déjà qu'on commence à fatiguer un petit peu plus, et ouais, c'est des points sur lesquels il faut qu'on s'améliore. Donc voilà, grosso modo, notre matériel, qui est à l'avantage de ne pas avoir coûté cher, du coup, vu qu'il n'y en a pas beaucoup, mais comme dit, à long terme, il va falloir qu'on réussisse à investir dans des choses un petit peu plus conséquentes et plus efficaces pour qu'on puisse travailler correctement, quoi, sur le long terme. Notre fournisseur de semences, pour l'instant, on bosse qu'avec un seul, par commodité, donc on bosse avec AgroSemences, et on s'équipe chez Jost, qui est l'équipementier agricole de Molsheim. Et on travaille aussi en partenariat avec un horticulteur, ça nous permet aussi d'avoir beaucoup d'avantages, mais je vous en parlerai après. Et donc voilà, groupe Solivaire, Maverge, Tierkopf. Donc, comme je vous disais, on est parti d'une friche et on a mis en place, c'est pas nous qui l'avons imaginé, mais une façon de réussir à cultiver ça au plus vite. Donc ce qu'on a fait intervenir, c'est des engins un petit peu lourds. Donc là, on quitte le monde du maraîchage sur sol vivant, mais parce qu'on n'avait pas le choix. Donc on a défriché la majeure partie de toute cette matière organique immergée. Donc tout ce bois, on l'a coupé, on l'a mis en tas. On a fait intervenir cette machine qui broie tout en tas. Et ensuite, dans un deuxième temps, une fois qu'on arrive sur un sol, sur une parcelle à peu près nette et indemne d'arbres, on fait intervenir ce même tracteur, mais avec un autre engin qui permet du coup, lui, de broyer tous les systèmes racinaires dans le sol. Parce que c'est totalement impossible d'imaginer cultiver dans ce sol. Vous avez vu un peu la densité de prunelier qu'il y avait, on ne rentre pas une bêche dedans. Donc si on ne passe pas par cette phase d'électrochoc, on va dire, où on tue un petit peu des vers de terre et pas assez de campagnols à mon goût. Mais en tout cas, on est obligé de passer par là pour pouvoir, derrière, lancer quelque chose de cultivable. Donc là, vous voyez les buttes que je vous disais qu'on n'a pas reproduit sur l'année d'après parce qu'on les a fait beaucoup trop grosses. Donc avant de faire des buttes, réfléchissez-y, c'est beaucoup de travail et c'est pas forcément nécessaire. Donc ensuite, c'était donc la première année, c'est 70 buttes qui ont été mises en culture et maintenant en 2021, on va avoir 3500 m² de surface à cultiver.
Donc pour ce qui concerne notre gestion de la fertilité, on n'utilise pas du tout d'engrais organiques extérieurs. Enfin, en tout cas pour l'instant, on n'a pas besoin d'utiliser ça. On se base principalement sur la fertilité à base de recyclage sur la base d'apports de matières organiques diverses et variées. Et donc on a la chance d'avoir dans notre partenariat un service d'espace vert qui crée beaucoup, beaucoup, beaucoup de déchets verts. Donc on a une source assez conséquente de tondes, de broyats, de compost, de déchets verts, de feuilles quand c'est l'automne. Et on peut avoir accès à toute cette matière organique. Donc on utilise ça pour couvrir nos sols et on utilise ça pour nourrir nos sols. En complément à tout ça, on implante des engrais verts quand c'est possible aussi. Mais bon, comme Pierre, comme on en a déjà parlé ce matin, c'est pas toujours facile à jongler avec les engrais verts de la façon la plus efficace possible. Et pour l'instant, nous, niveau mécanisation, on n'a pas les outils super top pour réussir à les détruire au moment où on voudrait. Donc ça, c'est aussi des pistes d'amélioration sur lesquelles on est. En tout cas, pour l'instant, c'est cette fertilité à base d'apport de matière organique fonctionne totalement, quoi. Pour ce qui est de la lutte contre les adventices, principalement on utilise les bâches. On bâche au moment opportun avant d'implanter nos cultures. Et on fait des petits compléments en arrachage manuel, mais qui est assez léger, on va dire, parce qu'on paille et on couvre la majeure partie de nos sols. Donc à part des annuels, des ronces qui repoussent et un ou deux liserons de ci, de là, des petits désherbages manuels réguliers. On va dire que sur la taille du jardin, là, si on passe en fonction de la saison, bien entendu, 1h30, 2h par semaine, pour enlever un petit peu toutes les mauvaises herbes avant qu'elles deviennent trop grosses et envahissantes, voilà, c'est tout. Donc ça, on gagne beaucoup de temps grâce à toutes ces techniques-là aussi, parce que le désherbage, c'est pas mon activité favorite, donc si je peux l'éviter, grâce à tout ça, on l'évite. On utilise aussi les bâches dans plusieurs itinéraires techniques. La salade, on le fait plus trop à cause de l'eau, surtout. On a du mal à réussir à avoir de l'eau suffisamment pendant toute la culture de la mâche, donc on le fait plus trop. Par contre, pour les courges et l'ail, ça c'est un itinéraire très 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 intéressant et validé. Donc voilà pour ça. Là, une fois de plus, bon, on en a déjà parlé, mais vous voyez le résultat après un bâchage d'un sol qui a bien digéré. Il y avait eu un engrais vert de seigle à peu près haut comme ça avant cette culture de courge qui a été totalement digérée, totalement assimilée. Les vers de terre, les champignons ont fait leur boulot et ils ont intégré tout ça dans le sol. On avait une super récolte de courge sur cette parcelle avec un sol top derrière. Donc comme dit, la majeure partie de nos itinéraires après, ils se font en paillage et en repiquage. Pourquoi on a fait ce choix? C'était que aussi on avait, faut le dire, la main d'œuvre qui permettait de le faire et ça nous permettait de gagner du temps sur tout un tas d'aspects. Maintenant, moins on est nombreux, plus ce poste-là, c'est du temps et on n'en a pas forcément à profusion. Donc notre but maintenant, ça va être aussi de réussir à faire plus d'itinéraires, pas de cette façon-là justement, mais en faisant des semis directs pour les cultures où ça va être possible. Pour l'instant, comme dit, on faisait uniquement la carotte et le radis en sol nu. Et là, maintenant, si on peut réussir à faire de la betterave, faire du navet, voire éventuellement encore continuer avec d'autres cultures, on essaie de travailler dans ce sens-là pour gagner du temps. Qu'on utilise pour réussir bien nos semis, là j'ai un semoir Stéradonis, et en réalisant correctement des faux semis avant votre semis et en utilisant le pyrodésherbage à bon escient, on arrive aussi à avoir des super résultats avec très peu de désherbage à faire sur ces cultures un peu sensibles. Là, pour vous donner une idée, mon dernier semis de carottes de l'année 2020, donc du coup, j'avais 6 planches de 30 mètres, pardon, et on a passé 2 fois 1 heure pour les désherber, c'est tout, quoi. Donc l'utilisation du faux semis et du désherbage thermique avant que votre culture lève et soit là, c'est super intéressant. Là on gagne du temps et de l'énergie. En ce qui concerne le travail du sol, on le travaille très très peu, comme dit.
À part un gros, gros travail de départ pour réussir à mettre cette friche en culture. Ensuite, derrière, c'est uniquement du travail à la grelinette et le motoculteur avec notre chariot rotatif qui va nous permettre de refaçonner les planches en fonction. Il va falloir qu'on achète un broyeur aussi pour gérer mieux nos engrais verts. Petite aparté. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, il y a un pépinière qui fait aussi partie du projet, qui nous porte et qui nous suit et qui nous aide depuis le début à Mittelbergheim. Et qui a la gentillesse de nous prêter une bonne partie, enfin suffisamment de place en tout cas dans ses serres pour que nous on puisse faire tous nos semis. Donc c'est aussi pour ça qu'on repique beaucoup, c'est qu'on a 5 minutes notre pépinière où on peut tout faire. C'est une question d'organisation et de timing, mais grosso modo on aime bien cette idée de réussir à produire un maximum de plants qu'on a fait à partir de la graine. Il y a juste les aliacées sur lesquels on n'est pas bon et on n'a pas le temps du coup de s'améliorer pour l'instant. Donc pour l'instant, on ne les fait pas. On les achète en plants ou en bulbes. Tout le reste, c'est notre production. Donc les ravageurs principaux qu'on rencontre sur ces techniques de culture-là, bah, ça va être les campagnols, mais pour lesquels j'ai pas encore de moyens de lutte efficace. Je ne sais pas, hein, on pourra en parler si quelqu'un a des solutions super top. Et les filets anti-insectes et pédicètes pour lutter contre les ravageurs aériens. Et par contre aussi pareil de l'anti-limace, parce que quand on a des sols paillés en sol vivant, moi il y a des moments au printemps où on ne peut pas lutter contre la pression de limace sans perdre toutes nos cultures. Donc on est obligé d'en mettre un petit peu, mais on le met vraiment le moins possible. Après, une fois que les cultures sont lancées, pardon, s'il y a quelques limaces dans ma salade, je ne m'échine pas à mettre de l'anti-limace, je m'en fiche. Mais par contre, il faut que nos cultures elles, puissent partir. En termes d'irrigation, donc pour l'instant on utilisait uniquement des micro-asperceurs, c'est de la marque Meganet, je ne sais pas si vous devez connaître, et une lance d'arrosage. Vu que le jardin était petit, on pouvait se permettre de passer un petit peu de temps pour économiser l'eau et vraiment arroser à la lance les cultures qui en avaient besoin, et plus arroser la totalité du jardin. Et comme dit, cette année, on va mettre en place du goutte à goutte un maximum pour économiser l'eau. Donc nos problématiques qui s'offre à nous maintenant que tout ça est fait, c'est que on se rend bien compte qu'on est un petit peu juste au niveau surface, parce que comme dit sur l'hectare 5 dont je vous parle, il y a quand même beaucoup de cette surface qui a été laissée pour les arbres, pour la biodiversité, pour des haies d'arbres qui nous séparent du vignoble qui est de l'autre côté, où malheureusement ils sont pas tous en bio, donc il y a beaucoup de pulvérisation. Donc on est un petit peu on va dire serré aux entournures niveau surface pour pouvoir à terme vivre à deux sur ce projet-là, enfin sur cette exploitation-là. Donc une des choses à laquelle on s'attelle, c'est de trouver une autre parcelle complémentaire dans le coin qui puisse éventuellement avoir de l'eau et de l'électricité pour qu'on puisse vraiment travailler de façon plus confortable, parce que oui, je ne vous l'ai pas dit, mais là, du coup, l'électricité, il n'y en a pas du tout, on est en plein milieu des champs. Donc toute l'irrigation se fait avec groupe électrogène, donc on doit l'amener, enfin c'est de la manutention, c'est de la manipulation, on perd beaucoup de temps et d'énergie à le faire. Donc si on pouvait trouver une parcelle où on va mettre en place des serres pérennes avec de l'eau et de l'électricité qui puissent nous permettre de travailler plus confortablement, c'est ça qu'il nous faut, quoi. Ensuite on doit aussi réussir à améliorer cette ressource en eau et trouver un moyen de lutte contre les campagnols qui nous ont quand même beaucoup impacté cette année. Par exemple, les céleris, on va dire que si je reste optimiste, j'ai bien perdu 40% des céleris mangés par les campagnols. Et c'est pas tout. Et ma dernière... Et ma dernière culture de betterave, 50% ils sont passés. Bref, moi j'ai des gros soucis de campagnols, donc ça faut qu'on les règle. Et on a besoin de trouver un lieu de stockage aussi avec une chambre froide pour pouvoir travailler plus correctement. Voilà, du coup, je vous ai mis quelques chiffres. Ça, c'est les prévisions de ce qu'on projette pour réussir justement à être rentable et viable sur cette surface. Donc ça, c'est nos prévisions à peu près en nombre de paniers. J'ai simplifié parce qu'effectivement, si on a on prend les restaurateurs en compte, ça change un petit peu les chiffres. Mais grosso modo, voilà, il va falloir qu'on génère à peu près 55 000 euros de chiffre d'affaires, ce qui équivaudra à peu près à 80 paniers, pour pouvoir payer nos deux salaires et vivre de ce métier qui est, ma foi, bien beau, qu'est le maraîchage. Donc,
Seul vivant, le goût est au rendez-vous. Oui, voilà, c'était parce que mais je vous en ai déjà parlé du fait que on a eu beaucoup de retours très positifs de gens qui, même de gens qui me disent les carottes, elles ont trop de goût. Et là, qu'est-ce que vous voulez que je leur dise aux gens qui me disent mince, elles ont trop de goût. Bon ben, je sais pas, dilue-le à l'eau, fais quelque chose. Bref, donc travailler sur sol vivant, je trouve que c'est vraiment très intéressant et très agréable, et il y a énormément de choses à continuer à faire. Donc bienvenue dans le monde merveilleux du maraîchage et du sol vivant. Voilà, merci. Est-ce que vous avez des questions? Oui. Oui, je voulais savoir s'il y avait une réelle concurrence, si on peut dire, entre les arbres et les légumes. Oui, par contre, oui. Vu que les arbres n'ont pas été plantés par toi. Ben justement, comme dit, là on parle un petit peu d'agroforesterie avec des guillemets et des parenthèses, parce que nous on part d'une surface qui est une forêt et on essaie de développer une activité de maraîchage à l'intérieur. Donc certains arbres, on a des chaînes de, je sais pas, ils ont 200 ans qui sont en place et que de toute façon il était hors de question qu'on coupe et qu'on ne voulait pas couper. Ils faisaient partie de la beauté du site, du paysage. Et justement, plein de bonnes intentions et de croyances, enfin, on va dire que j'ai mis des zones de culture très 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 proches de certains arbres très 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 gros. Ça ne marche pas. Il faut pas l'envisager parce qu'il y a déjà une telle concurrence au niveau racinaire, au niveau de l'ombrage, au niveau de il n'y a pas une goutte quand il pleut qui tombe au sol. Bref, quand vous avez des très très gros arbres, je dirais qu'il faut au moins ne pas se mettre à l'aplomb du houppier, de l'arbre, au moins, aller déjà un peu plus loin et laisser un petit peu de marge. Mais cultiver dessous un vieil arbre, un gros arbre qui est déjà en place, ça marche pas. Après, si l'idée, ça va être de réimplanter aussi des arbres sur cette parcelle et d'implanter une haie, etc. Là, de ce que j'en sais, des retours que j'ai eus, on peut imaginer se mettre un peu plus près parce qu'on va faire en sorte que la haie et les cultures se développent. Elles vont, au bout d'un moment, elles vont arrêter d'aller vers tes zones de culture, elles vont descendre et là, ça laisse plus de place à tes cultures de légumes à toi. Donc, il y a de la place. Mais oui, sur des vieux arbres, bah, la concurrence est vraiment très féroce et le légume y perd. J'ai essayé déjà plein de trucs, il n'y a rien qui a marché. Merci à vous.